Sailing for 2 days on the Weta multi-hull. Very good conditions, a lot of wind, between very gusty, with 20-25 knots of wind in the gust. But it was very, very nice. We had a lot of fun, 18 boats, and we hope to have much more boats in early July in Karnak, to have a very interesting European Championship. Okay, so Kevin, you used to sail on much bigger trimaran. What is it about sailing such a small boat? It's still quite the same thing. It's still a multi-hull. Obviously, there is a big change in the scale of the boat, but it's still very nice to at the helm. A lot of setting on the sails to get a very fast boat. So I had a lot of fun. And I hope to be able to be sailing soon on this kind of boat. Right. I can see something white on your face. What is it, makeup? I'm quite salty. Salty, right, okay. A bit of salt in the teeth or not? Sorry? A bit of salt on the teeth as well? Obviously, because I was smiling. Okay. Féliciter l'association des Weta parce que c'est le premier rassemblement français où il y a autant de bateaux et c'est lors de la régate des Zebres. Certains sont venus depuis Lille avec leur bateau derrière leur véhicule. Donc merci à eux, c'est un bateau super, j'espère qu'il y en aura plus. C'était pas la première, c'était la deuxième régate là avec le Weta, mais c'était la première avec un peu de vent. Quelles impressions? Moi j'ai toujours autant de plaisir à naviguer sur le bateau. Bon, pour une fois j'ai réussi à me mettre sur le toit, mais ça fait partie du jeu, comme on dit, le trimaran c'est un peu fait pour se mettre sur le toit de temps en temps. Et toujours autant de plaisir au portant quand on atteint des vitesses de 16 à 17 nœuds. On trouve des petites solutions pour ne pas que le bateau fonde de trop. Et donc bien sûr je ne suis pas mécontent d'en avoir acheté un. Hein. D'accord, et on a vu aussi... Un peu sportif, oui, carrément, oui, oui. D'ailleurs, on est plein de sel, on voit par rapport à ce qu'on fait de l'IRC aujourd'hui, on voit qu'on a fait du sport, quoi, on s'est pas endormi. D'accord, on a assisté aussi à une belle bagarre entre le père et le fils, là, sur l'eau, là, avec Kevin. Donc, quelle est la conclusion? Malheureusement, la conclusion n'est pas terrible. c'est que c'est le père qui a gagné, donc mais c'est une raison de plus pour revenir. Bon, d'accord. On verra ça à Karnak au mois de juillet. Donc, voilà, s'il y a une revanche à prendre, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup.